Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo de gameplay. Ah oui, pas d'opening cette fois, on va faire un peu de gameplay. Comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes en ce moment, il y en a énormément. En plus, avec toutes les missions à faire journalières, il y en a vraiment beaucoup. Pour vous dire, voilà, la queue, j'y ai encore absolument pas touché. Je vais m'y attarder, je sais pas quand. Faut que je trouve un moment pour commencer à l'attaquer et à tourner les vidéos. Donc voilà, je la ferai en plusieurs vidéos cette queue, comme elle a l'air un peu spéciale. Mais aujourd'hui, on va parler de ça, de l'autre event. Donc il y a cet event-là, où en fait, vous faites en fait des. Vous avez. En gros, chaque semaine, il y a une quête qui se débloque du chapitre. Donc comme c'est sur 6 semaines, du coup, il y a 6 quêtes à débloquer. Et en fait, vous en faites une à 100%, alors quelle que soit celle que vous voulez, vous pouvez faire même la maître, l'héroïque, enfin, pas de problème par rapport à ça. Vous la faites à 100% et du coup, vous débloquez ceci, la petite pierre d'infinité, du coup, on va voir à quoi elle sert. Donc du coup, vous pouvez faire voilà, en n'importe quelle difficulté, il n'y a pas d'importance pour le coup. Après, voilà, si vous pouvez farmer tout, parce qu'au final, vous pouvez voir qu'il y a quand même des récompenses quand même des récompenses, hein, donc c'est toujours bon à prendre, 2000, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez toujours le faire. Donc je pense que je ferai tout, enfin qu'on verra en fonction de l'énergie. En tout cas, la maître et l'épique, c'est sûr, pour les éclats 5 étoiles. Et après, on verra pour le reste. Du coup, vous faites la quête à 100%, vous débloquez cette fameuse pierre de l'âme, et du coup, vous pouvez accéder du coup, à cette quête-là. Alors en soi, vous pouvez le faire avec d'autres champions, hein, mais. Parce ce que j'ai compris, c'est quasiment irréalisable parce que vous avez une dégaine, au bout de 30 secondes, vous perdez, enfin, vous tapez 80% moins fort. Donc, du coup, il faut le personnage adapté, c'est-à-dire qu'on peut voir ici Captain America pour celle-là. Donc, en 2, 3, 4, 5, voilà, et en fonction de ça, vous faites la quête en fonction de la difficulté. Moi, je vais faire du coup épique. J'ai même pas tenté, je sais même pas ce que ça donne, j'en sais rien du tout. Ah bah c'est là directement, ça va être en live. Alors je vais couper ça. Hop, donc voilà. Donc du coup on va essayer. Alors moi j'ai un 5R3, on va voir ce que ça donne. J'en sais absolument rien de ce que ça va donner. C'est vraiment phase de découverte. Tout ce que je sais, c'est que je crois qu'il y a 3 ou 4 champions, un truc comme ça à faire. Donc voilà, donc c'est ça. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne, j'en sais rien. Donc voilà, c'est les pierres infinités. Donc en fonction des pierres, il faudra faire un chemin avec le perso adapté. À mon avis, ça va être chaud, à mon avis, ça variera. Enfin, j'en sais rien. On verra bien, mais c'est vrai que ça paraît être compliqué. Du coup, dégénérescence, gain de pouvoir, pris au piège, contre-attaque, réserve de pouvoir, oppression. Donc voilà. Donc du coup, lié à la pierre d'infinité, je sais même pas comment on fait pour voir ça. Compétence, ça peut être là-dedans. C'est pas écrit, bon, je sais plus où c'est écrit. Ah, si, ça doit être écrit là, on va pouvoir voir les indices. Donc voilà, donc régène des PV, etc. Donc voilà, je vous laisserai lire. Même moi, j'ai même pas lu, ça va être un peu la surprise. Donc je vous laisserai lire un peu à quoi ça sert. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, faut bloquer, attaquer. Et en fait, avec ça, on va pouvoir se régène. On va pouvoir du coup mettre des dards puissants qui fait que du coup, quand l'adversaire va mettre un spé, il va perdre de la vie. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va voir, j'espère que ça va être. Voilà, forcément, voilà. Donc, on met aussi bloc pouvoir, ok, d'accord. Du coup, on peut attaquer bloc pouvoir. Non, on peut pas. Non, c'est pas bloc pouvoir. Ah, c'est vraiment chiant. Ah ouais. On va pas aller plus loin que ça. C'est possible, il fait combien de SP le mec?
Ah oui, d'accord. Ah. J'ai piqué. Ça devrait passer normalement. On finit full vie. C'est vraiment un gameplay très spécial. La première erreur, c'est moi. Sans faire exprès, j'ai éraflé mon écran. Et donc, du coup, je me suis pris le coup. Donc, c'est vraiment entièrement de ma faute. Le deuxième, c'est moi qui ai merdé. J'ai attaqué sans faire que j'ai attaqué. Donc, du coup, on va reprendre. Là, j'ai une petite interruption. J'ai une personne qui est venue chez moi pour réparer deux, trois petits trucs. Donc du coup, on reprend, on était là. Ça peut être un peu buggé. Là, ça s'en se fait un jour. Quoi, il va faire le spé et apprendre. Patate, le mec. Et merde. Je vais me prendre la dégaine. Et merde. On va pouvoir gagner comme ça. Voilà, il a voulu faire son SP2, il a pris 60 000 de dégâts. Ouais, le truc archi ouf. Putain, c'est ouf. Évidemment, on a gagné une petite quête en plus, puisque j'ai fait un combat d'Avenger. Waouh, franchement, le plus 67 000, ça a bien sauvé. C'est un gameplay qui est vraiment spécial. Vraiment. En fait, vous faites full Breeze Guard, vous attaquez un peu quand il a son autre pouvoir, du coup, il gagne pas de pouvoir, et du coup, vraiment, il va faire un pouvoir, pam, il se prend, là, vous pouvoir, hein. Moins 67 000, c'est énorme. Vraiment incroyable. Là, je fais pas le con, on fait pour faire. Voilà.
ça va pas trop savoir à quel moment il peut avoir bloc pouvoir. C'est ce truc qui est un peu embêtant. Ah, il a encore fait le bloc pouvoir. On va faire un petit SP3 quand même, sur lui faire un peu quand même des dégâts. Ouais, vous faites pas du tout. Donc, ça sert à rien là. C'est quand il a fatigue et qu'il peut du coup mettre un bloc pouvoir, mais alors à quel moment j'en sais rien. Putain, à chaque fois que je le parade, il prend des dégâts, il prend 2000 de dégâts. Non! Heureusement j'ai quand même un 5 à 3. Parce que au final le 5 à 3 il envoie bien. Le 5 à 3 au final il envoie bien. On va faire 0 dégâts. Allez, il faut qu'il fasse son spin. En fait, le gameplay, c'est de monter ses dards puissants et de le faire forcer à faire ses spins. Et du coup, bam, il se prend des dards puissants, moins 4000, etc., etc., etc. C'est le gameplay, à mon avis, c'est le gameplay à faire. C'est pas trop ce que je fais, honnêtement. Mais je pense que c'est la solution. Donc là, on va combattre le nouveau perso. C'est vrai que j'ai pas fait de cul encore, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je connais pas ses spins, je connais rien. Affaiblir agile, ok. Ah, agile en moins. Oh, il va être compliqué lui. Alors, est-ce qu'on peut le parader? Mission complétée. Ok, il y a des missions. D'accord. En fait, le premier coup n'est pas... Il est super raté. Oh non! Ah, j'ai peu le temps de remettre le parade, le bloc. Du coup, je suis mort comme ça. Je pense que 100% ça devrait suffire. Normalement, on devrait se rire à chaque brise-garde. On aurait pu presque le one-shot. C'est dommage. Ouais, c'est comme ça, c'est bien ce que je pensais, mais on peut one-shot. Par contre, j'aimerais bien. Je me demande si c'est vraiment la solution de le taper, j'en sais rien. J'adore son spin. Et en vue du film, j'adore les trois personnes qui sortent. Franchement, j'adore. Oh! Tiens, prends ça! Thank you.
De ouf, on peut pas attaquer. Mais quoi? Quoi ce pin? Waouh, chaud. Honnêtement, chaud. Je comprends pas pourquoi il peut pas. J'arrive pas à savoir à quel moment il évite. Et surtout à quel. Ah oui, d'accord, c'est sympa, ouais. J'arrive pas à savoir à quel moment il évite et à quel moment il. Pourquoi il prend pas le SP2? En plus, j'avais fait le SP2 en inter. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon oui, on verra ça en queue, à mon avis. En tout cas, voilà. Alors, du coup, je vais faire un petit montage. Ça m'embête. Ce que je veux dire montage, c'est-à-dire du coup, je vais mettre 3 heures à publier la vidéo. Tant pis. Mais écoutez, voilà. N'hésitez pas à me dire un peu votre ressenti sur cette quête qui est vraiment spéciale. Je pense qu'à mon avis, alors là, je l'ai fait en vidéo explicative, on va dire. C'était un peu le début. Je pense que sûrement pour les autres jours, je ferai peut-être une vidéo de gameplay. Du coup, je mettrai peut-être un son derrière, je pense. Je pense que je ferai comme ça. Au lieu de vous expliquer, parce qu'à mon avis, vu le style de combat, vous pourrez voir très rapidement le combat, comment ça se passe. Vous pouvez voir finalement en bloquant, on récupère de la vie. Enfin, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Donc, du coup, pour changer le format, je pense que je ferai ça pour, en tout cas, cette quête-là, pour le reste du jour. Voilà. On verra, ce sera un peu peut-être la surprise. Enfin, du coup, qui n'est plus une surprise, parce que je vous l'ai dit. Donc voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et puis, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.